Alors bonjour, ce qu'on va voir dans cette partie, c'est la fonctionnalité de cette boîte. Donc la boîte qu'on a utilisée dans la première partie pour montrer ou bien pour vérifier le fonctionnement du multiplier, donc qui permet de multiplier la tension sur la première entrée et la tension sur la deuxième entrée. Alors, ce qu'on va voir dans cette partie, c'est que cette boîte-là permet de générer une tension sinusoïdale de haute fréquence. Au lieu d'utiliser un autre GBF qui peut générer une tension de haute fréquence, cette boîte fait le nécessaire. Elle permet de délivrer une tension, ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Alors, on va brancher la masse de cette boîte à la masse de l'oscilloscope. Puis, on va visualiser cette tension. Voilà, donc sur la boîte est écrite une fréquence de 100 kHz. Donc cette boîte permet de générer une tension sinusoïdale de fréquence 100 kHz. Donc on va vérifier cette fréquence. Alors vous voyez, il s'agit d'un signal de haute fréquence. Hein, la période est très petite. Donc on va faire varier cette sensibilité horizontale pour voir le signal clairement et mesurer sa période. Donc vous voyez, si on change la sensibilité horizontale, on peut voir ce signal-là. Voilà. On va choisir une sensibilité très petite pour qu'on puisse mesurer le nombre de divisions correspondant à une période. On va choisir une sensibilité de. On va régler la sensibilité sur 2 microsecondes. Alors, lorsqu'on fixe cette sensibilité sur la valeur 2, donc elle est là, 2 microsecondes par division, donc on voit que d'après ce graphe, on a 5 divisions. Alors 5 fois 2, ça fait 10. On a 10 millisecondes, ou bien plutôt 10 microsecondes pour la période. Alors la fréquence, c'est 1 divisé par la période. Si on divise par 10 microsecondes, qu'on va multiplier par une multiplication de 10 puissance moins 6, on obtient la fréquence indiquée sur la boîte. Alors, comme vous voyez sur cette boîte, la fréquence est déjà inscrite sur la boîte 100 kHz. Alors, on verra par la suite dans la troisième partie comment exploiter cette composante et comment exploiter ce signal de haute fréquence pour le multiplier par un autre signal de basse fréquence et moduler ce signal-là que représente ce qu'on appelle la porteuse. À bientôt.